Le ministre algérien de l'énergie en visite à Moscou dans le cadre de la coopération énergétique russo-algérienne. Noureddine Bourtefa s'entretient ce vendredi 9 septembre 2016 avec son homologue russe Alexander Novak. Objectif, renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine de l'énergie et faire le point de la situation du marché pétrolier. L'OPEP est traversé par de nombreuses interrogations et l'objectif c'est d'arriver à un consensus minimum pour pouvoir stabiliser les prix. Tout le monde veut que les prix soient autour de 50 à 60 dollars le baril. L'Algérie souffre terriblement de cette baisse parce que sa manne financière est en train de se réduire et de fondre. Cette baisse aussi touche d'autres pays. Et donc la concertation va permettre de pousser les uns et les autres à avoir un consensus autour de ce tarif, en tout cas de ce prix, pour stabiliser le marché et le cours du dollar. Autre point à l'ordre du jour, les préparatifs de la réunion informelle de l'OPEP prévue le 27 septembre 2016 à Alger. Cette visite, la visite du ministre algérien de l'énergie est une contribution dans le processus de prise en main pour la réunion préparatoire de l'OPEP qui va avoir lieu à Alger le 27 septembre. L'Algérie veut reprendre la main pour pouvoir négocier pour que les interrogations qui traversent l'OPEP obtiennent un consensus. L'Algérie, on le sait, l'Algérie et la Russie, il y a un axe qui fonctionne, une coopération économique très forte et il y a des intérêts partagés. D'ailleurs, c'est pas pour rien que l'Algérie a une représentation de Gazprom à Alger. Cela montre aussi cet intérêt. Il y a toujours un œil, l'œil de Moscou qui veille sur vous en quelque sorte. La visite du ministre Noureddine Bourtefa à Moscou entre dans le cadre d'une tournée dans certains pays producteurs de pétrole qu'il a déjà mené à Doha, au Qatar et surtout à Téhéran en Iran.